Madame, c'est bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur Chanel Valley Haïti. Et bien sûr, notre plaisir, notre occasion, et pour nous tourner encore sur la plateforme, non? Avec une autre nouvelle pour te battre en détail. Nous saluons tout le monde qui est branché, qui attend, qui regarde nous. Et qui bon Dieu bénisse nous. On allez. André Michel fait une grosse déclaration là. Côté André Michel et fait qu'on est. Je ne sais pas, il dit dans une conférence, il était aujourd'hui pour la presse. Michel dit, il faut qu'il y ait l'ironie, Célestin. Puis on connaît côté le jeune tout comme ça, il a acheté Kaye, il a gagné au Canada. Madame, mais c'est en pile parole parler, côté André Michel lui-même, il a attaqué pouvoir, lui-même attaqué Guénègue dans l'opposition en tout. On comprend? C'est même les gens qui disent, ah, je ne parle pas d'Haïti, ou avez besoin passer causer André Michel. Nous ne pouvons pas faire ça parce qu'ils sont médias, nous. Et on comprend, nous ne pouvons pas attendre André Michel, mais nous-mêmes sommes médias, nous. Et ça, nous jeunes, nous supposons passer. Ok, c'est travail. Lorsque les médias pendant parti pris, même j'en ouvre espace là pour tout le monde parler, qui tourne en opposition, qui tourne en pouvoir, tout le monde parler. Alors, même qui c'est fanatique, ou pas réagir, ou capable commenter des opinions maintenant, ou mais nous-mêmes, et nous pas gain quand, même nous pas gain quand, oui, nous pas gain quand, nous supposé passer, même j'en, président Jovenel Moïse, avec un pilote dans le pouvoir, nous toujours passer déclaration, opposition, tout, nous toujours fait, nous supposé faire même genre pour tout le monde. Parce que son média nous gagne, et nous supposé et passer toute bagaille net, ou même qui fanatique, pour supposer commenter, pour réagir. Bon, et une autre déclaration de Michel Tefen en conférence pour. Là, pile parole parler. La presse là, matin, conférence de presse, hein. Il salue de façon particulière, présent sous table là, de maître Sylvie Jean-Marie et de maître Esperanza Etienne, qui accompagnait nous dans le cadre de cette conférence de presse. Je nous connais déjà, on gagne plusieurs casquettes. Matin, ce n'est pas le porte-parole du secteur démocratique et populaire qui est là, c'est le militant de la société civile, l'avocat indépendant qui défend le droit monde qu'il a, le citoyen engagé. Et Maître Rémi Sodjombarella, qui est fondamental sur grève-là, il ne faut pas l'oublier, il faut le retenir. Grève magistrat, c'est le pouvoir du gouvernement. Ce n'est pas magistrat qui a choisi à faire grève. C'est le pouvoir exécutif, c'est Jovenel Moïse, président de facto, qui a provoqué la grève des magistrats. Parce que c'est lui-même qui a le révoqué, qui a le mis à la retraite trois juges à la Cour de cassation, lorsque les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. Parce que c'est lui-même qui a le nommé à la Cour de cassation des juges de manière illégale, de façon arbitraire, en violation de la Constitution. Ce pouvoir politique-là qui est responsable de la grève fait. Et conseil des dossiers brûlants, nous ne pouvons pas parler de eux. Je passe à pied joint sur yo, par exemple. Et l'acquisition à Montréal d'une maison luxueuse par le sénateur Ronnie Célestin pour 4,25 millions de dollars. Mais son dossier important. Je ne dis pas Ronnie Célestin, pas qu'il doit gagner corps. Parce que moi-même, c'est le monde qui croit tout. Comme mon province, élément de la classe moyenne. Que tout le monde doit gagner corps. Ce n'est pas à peine seulement pour gagner quoi. Bonnie, c'est destin qui a gagné tout. Mais il faut le faire comme lui dans de bonnes conditions. Maintenant, si M. Ashton Kaye comme ça, 4,25 millions de dollars américains à Montréal, il faut qu'on côté Ronnie Célestin dit, voici les circonstances dans lesquelles il fait comme lui. C'est business là fait, mais côté le fait comme lui. Mais côté le conformer à la loi. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous recommander que le dossier de l'acquisition de cette maison luxueuse à Montréal par le sénateur Ronnie Célestin, fasse une course pénale. Dossier ça mérite une course pénale pour élucider les circonstances dans lesquelles monsieur fait comme. Et dans quelles circonstances l'acheter quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas un dossier qui pourrait être comme ça, c'est un dossier qui pourrait aller devant un juge pour être capable de déterminer, essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est un bagage qui est fondamental dans toute démocratie. Si demain matin, nous venons encore, il faut qu'on côté. Je suis capable de justifier, écoutez, me faire comme là. Et c'est son dossier, me fait, etc. Et puis, me sortit un horaire, il va me 10 millions. Bref, c'est ça la démocratie, c'est ça la transparence. Nous recommandons que dossier ça,
Ils font une course pénale, ils rentrent dans le système, là, et que la justice garde exactement dans quelles conditions le sénateur Célestin fait pour lui. Il doit faire le bien. S'il fait le bien, il a dit bravo, il est intelligent. Mais s'il fait le mal, à ce moment-là, il devra faire face à la rigueur de la justice pénale. Parce que et nous ne sommes pas capables de continuer à tolérer la corruption en Haïti. Ou l'autre dossier, son dossier capital. C'est le dossier de la zone industrielle de Savanidiane. Pour moi, c'est un dossier capital. Parce que le 8 février 2021, Jovenel Moïse, pas président encore, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021, 8 février, Jovenel Moïse pour arrêté présidentiel. Et puis, il y a des paysans dans la zone Saint-Michel de la Talaye, plus qu'à passer 14 000 carottes. Il y a des maïsades. Et il balle 18 millions de dollars américains à l'agent de l'État pour le faire zone franche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas capable de prendre tout comme ça pour une seule famille. Et même si vous êtes un président normal, vous n'avez pas le droit de faire comme ça. Et deuxièmement, le mandat de Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021, 8 février, il n'est pas capable de prendre 18 millions de dollars américains pour aller faire zone franche. Et puis il prend tête tout paysan la Tibonite, Saint-Michel de la Talaye, plus passer 14 000 carottes pour le faire pour aller faire zone franche. Dans ces conditions, nous recommandons deux choses. Première recommandation, nous demandons moucher à peine. 18 millions de dollars américains, Jovenel Balia. Il faut le reconnaître, Jovenel, pas de droit balle comme ça le 8 février parce que le mandat est fini. Nous demandons pour le retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. C'est pour appeler retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. Et les paysans qui ont été expropriés de manière arbitraire, ils ont le droit de retourner sur le terrain. Deux choses. Appel, 18 millions, retourner dans le trésor public. Pays à pas pour vous. On prend, pas au même seul et qui pétit dans cette chose. Bon, par contre, on va dire l'autre histoire. Deuxièmement, paysans, il faut être capable de retourner sans difficulté sous terre parce que yo exproprié de manière illégale. Moi, j'ai pile d'informations, j'ai pile qui parle avec moi, yo pas de payer, yo pas de payer au compte pour ça, j'ai pris terre, j'ai pas à perdre. De façon manu militari, cela est inacceptable. Appel remettre comme là, paysans retournent sur terre. Et lorsque le moment sera venu, le bon gouvernement légitime, le ça n'a penché sur question. Hein? Est-ce que c'est pour faire zone franche dans zone ça? Je ne sais pas. Mais vous dites, son zone qui fait poids Congo, son zone qui fait manger, son zone qui fait élevage. Et si on fait zone franche, c'est pour chercher une zone qui n'a pas qu'à faire production nationale. Zone qui n'a pas qu'à faire élevage, zone qui n'a pas qu'à faire manger, pas qu'à faire quoi Congo. C'est dans zone ça pour faire élevage. Parce que nous avons un problème de manque de capacité de production alimentaire, de production agricole pour nous capables et nourrir tout haïtien, tout haïtienne. Nous pas qu'à se tenir un café manger, café élevage pour nous pas faire zone franche. Alors, appel, remettre comme là pour nous, sans bris sans compte, nous n'avons pas besoin d'un problème, nous n'avons pas besoin d'aller au tribunal pour aller remettre comme, tout remettre comme là, fonds chèque 18 millions, mettons un bagage sur l'île, nous avons un comme, voyez notre trésor public, et puis les paysans reprennent vos terres. Maintenant, autre chose, pour moi, c'est un dossier qui est important. Gagné Joseph Mathieu. Joseph Mathieu, avec Jovenel Moïse, c'est corporate avec Figaro. Monsieur, il y a un business avec Jovenel Moïse. C'est lui-même qui a géré et Agritrans. Jovenel Moïse a gagné une banane. Non, pas de gagner une banane. C'est un bluff. Mathias Pété dit en 2016, il y a une banane, un bluff. Et 14 millions pour FDI, il y Jovenel pour le décaler l'autre business. Pas de gagner une banane. Vrai. Joseph Mathieu avec Jovenel Moïse, il y a une pocherie dans le département de Nîmes qui a fait cochon, qui a produit cochon pour vendre. Et il y a une ferme agricole dans le département de Nîmes. Ça veut dire, on, monsieur, messieurs, dames, mes chers amis, soyons sérieux. On a qui dit le président. Bon, mandat fini, nous comptons ça. Et puis, monsieur, il y a un business avec un marchand d'or. Il y a une pocherie ensemble, il y a une ferme agricole, il y a fait pop ensemble. Ça veut dire qu'on collision entre l'État et les trafiquants de drogue en Haïti. Il y a une collision entre l'État et les trafiquants de drogue en Haïti. C'est-à-dire, M. Kounia, Joseph Mathieu, ça, les M. besoin d'activité de drogue, c'est machine parler à l'albre. Les M. besoin
à l'activité blanchiment, t'es prends machine Jovenel là, c'est son ami. D'ailleurs, c'est chauffeur personnel Jovenel Moïse. C'est-à-dire que un gros problème de moralité au plus haut niveau de l'État, où on est qui dit le président, et puis il y a une relation de connivence, relation de collision avec un trafiquant de drogue, jusqu'à ce que c'est dit et qui arrête en Haïti et voyez et aux États-Unis. Bref, ça a montré encore une fois que le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des trafiquants de drogue. Et M. Joseph Mathiesa, il dit qu'il y a deux cartes électorales là même. Vraiment, chaque citoyen, c'est une boutade. Bon, M. c'est américain lié. Est-ce qu'il y a une carte électorale? Est-ce qu'il y a une carte? Nous, on y a avec deux cartes électorales là, il y a arrêté. Alors, c'est dans la condition ça, pour une communauté internationale, qui a demandé nous-mêmes, société civile, nous-mêmes, citoyens, monde qui est dans la politique, qui a demandé la population pour aller dans l'élection, élection, élection, élection. Définitivement, c'est une plaisanterie. Et là, la communauté internationale doit comprendre qu'aujourd'hui, en Haïti, le principal obstacle à la question des élections, ce n'est pas la société civile. Eh bien, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les citoyens. Le principal obstacle à l'organisation des élections, c'est Jovenel Moïse. Un, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021. Deux, parce que le mettait gang assassin dans tout le pays. Trois, parce que techniquement, les conditions ne sont pas réunies. Techniquement, quelle est la situation? Gouvernement, pendant 2 ans, il a imprimé 3,8 millions de cartes électorales. Il distribue seulement 1,5 millions de cartes électorales. Il y a 1,3 millions de cartes électorales qui fait qu'il peut distribuer. Alors que nous avons une population électorale de 7,5 millions de personnes. Il y a plus de 4 millions de monde qui peuvent avoir une carte électorale. Mais soyons sérieux, communauté internationale, dans ces conditions, on n'est pas capable de parler d'élection. Et c'est seulement un gouvernement crédible et que tout le monde sent à l'aise là-dedans, non-partisan, qui est capable de créer conditions pour le retour à l'ordre démocratique. Bref, je dis, nous avons une situation côté à violer les droits de l'homme en Haïti chaque jour, il y a tué monde, il y a kidnappé monde. Et dossier kidnapping, non. Mais, soyons sérieux. Magali habitant, les kidnappé monde, c'est les cas chercher. C'est comme si elle même qui marraine kidnapping. Nous tous nous connaissons des relations de connivence entre le pouvoir et les groupes armés. D'ailleurs, les organisations de droits humains, notamment le RNDDH, dans plusieurs rapports les faits, ils établissent que il y a des relations concordantes avec Figaro entre les groupes armés et les kidnappeurs et les chefs de gang qui assassinent la population. Ça veut dire qui ça? Kidnapping qu'a fait dans le pays, c'est pouvoir qu'a fait. C'est pouvoir qui va barbecue les âmes, c'est pouvoir qui va barbecue l'argent. Bref, depuis ce Jovenel Moïse qui l'a toujours, comme président de facto, nous ne sommes jamais capables de résoudre le problème de kidnapping. Non? Et Magali Abidan, et tout l'autre, dans le Sénat qui est dans le CNDD, et puis le Tédi dans la radio, c'est lui-même qui mettait tout le gang ensemble. Bref, voilà la situation. Le pays est dirigé par des voyous. Le pays est dirigé par des délinquants, des trafiquants de drogue. Voilà pourquoi, en tant que citoyens engagés, nous demandons à la population de se mobiliser, de se battre pour faire respecter la Constitution et pour retirer l'équipe assassin Sayo sous pouvoir pour nous capables de gagner un État qui est dirigé par des hommes, par des femmes honnêtes, crédibles, qui gagnent le sens de l'État. Et c'est ça qui est soigné, parce que nos conditions ça sont véritables. L'obéi, et m'a tout annoncé. Dans la semaine qui a fini, il y a des plaintes qui vont déposer dans le dossier kidnapping nan, pour les gens qui dirigent l'État. Il y a des avocats qui prennent la responsabilité. Il y a un dossier, monsieur, appel, la dossier Savandian, c'est des dossiers que nous allons formaliser devant la justice. Et tout dossier ça, yo, qui qualité de relation qui gagne entre Jovenel Moïse et les trafiquants de drogue, dossier ça tout, son dossier qui suppose aller devant la justice, nous allons continuer à assumer nos responsabilités en tant que citoyennes, en tant que citoyens engagés. Voilà, c'est déclaration André Michel, qu'on y a là, pour y prendre un Zami Soulignan, voilà, peuple. Zami Soulignan, allez. Bonsoir, Palais Haïti. Bonsoir, Tiedoua. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Voilà. Me fait capter des femmes d'Italie là, cap crase école, cap sale école, du respect. Écoute, pasteur Jean-Claude, femmes d'Italie, vous écoutez?
Par contre, si vous écoutez Pasteur Jean-Claude, Pasteur Jean-Claude toujours gagne un chant, il dit, ça nous pas vle ouéa, c'est lui-même n'a poué. Ça nous pas vle ouéa, c'est lui-même n'a poué. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal pour pas qu'à oué m'bien parler. Parce que, ou se femme nèg opposition yo, et m'rete kwe ke non seulement ou gen nom ou, ou gen nom ou nan opposition, ou gen famille ou nan opposition, ou kapab gen frère ou kap travay nan opposition, ou kapab gen cousin ou kap travay nan opposition, ou kapab gen tout race ou ki adhéré, ki affilié nan opposition. Et m'kwe ke tout auditeur, auditrice, pale Haïti, kap suiv vous, yo gantan wè ke ou son opposition 100%. Et ou tellement son opposition 100%, ou tande comme on parle, m'fait kap tando la parler. Ou di oui, monsieur en France là, beaucoup moun ap di l bien parler, comment le bien parler a, monsieur ça te jou ou madame qui te, au lieu te dit hélicoptère, te dit hélicoptère. M'pa te jouer madame nan. M'te pote ton précision pour li. M'te dit que l'el pa konon bagay, pa opine sou li. Yo pa di hélicoptère, yo di hélicoptère. Tout auditeur, auditrice kap tande, suiv dame sa bien ap tande comment dame na parle. Dame en Italie, dame haïtienne. Sou parle tout moun gantan wè, moi même pa konn si tout moun gantan wè, ki moun nye, moi même gantan wè. Sou parle gantan wè sa liye. Dame sa, que Dieu m'entend, dame sa non seulement li gen plizye nomik nan opposition, li gen frèl nan opposition, li gen kouzèl nan opposition, li gen tout zanmi proche li nan opposition. Mais écoutez, message m'a voye pou ou, spécialement, sa ou pa vle wè a se li wap wè. Ou éclate sa directement, ou sans filtre, ou di ou pa vle wè Jovenel Moïse, ou pa vle tande Jovenel Moïse. Amen, Jovenel Moïse ou pa vle tande ou pa vle wè a, se li wap wè. Et, opposition, mwen lance appel sa pou ou, voye message bay nom ou yo, voye message bay frère ou, voye message bay famille ou ki nan opposition. Écoute, pep haïtien pa vote nou, même pou Kazek, même pou Azek, même pou chef quartier, voix pour président, voix pour ministre, voix pour député, voix pour sénateur, voix pour yon grand poste qui c'est yon poste ministériel en dans pays ça. Parce que nous craser briser trop, nous tuer moun trop, nous craser trop bagay Jovenel Moïse a fait pour pays d'Haïti. Nous boulons trop bagay président Jovenel Moïse a fait pour le peuple haïtien. Sous besoin de bagay Jovenel Moïse fait. Non seulement garder Palais Haïti, al garder Bou Stadion, Canada, garder Jimmy, Mouna fait bon TV, Canada. Gade Ebe, New York, Huawei travail, Jovenel Moïse a fait. Jovenel Moïse n'est pas fait, non? Li déjà fait et l'a continué fait. Et m'a orienté au qui côté yo yé. Travail ça yo. Belle route, le nord, nord-ouest, nord-est, sud, sud-est, grand-dense. Moi cité le, toute ville, province d'Haïti yo, Jovenel Moïse, et font paquet de bel travail et la continue toujours. Jodi a m'a gardé un travail cap fait dans Mon Pilboro là pral au cap. Moi même m'con au cap mal m'passer dans Mon Pilboro. 15 km monté, 15 km descendre en S ou de la fête. C'est pas moun k'ap parler de Mon Pilboro, m'con Mon Pilboro. M'passer dans Mon Pilboro plusieurs fois mal au cap. Mon Pilboro fait en S. Les machines ou y arrivent en haut, ou ap gade machine kap vin en bas haut. Ça veut dire, c'est pas cochi ou de la cochi seulement, non? Il fait tout de rond. Eh bien, m'ap gade, et
l'odeur et tractopelle, un paquet gros matériel qui l'en mon pilboro cap ouvert route là. Jovenel Moïse son paquet route. Jovenel Moïse gantan installé un paquet. Moi même personnellement me c'est nèg miragouane moi même ça pour qu'on gagne même un bon mois même là, m'a regardé à peine s'il gon mois quelques jours, m'a regardé Jovenel Moïse sauté installé un paquet matériel miragouane dans Renoz pour yo à l'installer et courant miragouane. Miragouane c'était l'en petit grave, je te comprends. Nous te comprends courant, mais maintenant n'a pas courant pas nous, c'est nous pour aller en savo, c'est nous pour aller en paquet de l'autre côté encore. Alors, en gros, dame haïtienne ça, en Italie ou m'pa kon kotoye parce que on l'aime te dire en Italie ou te dou pas en Italie, ou avou adresse ou bam, tatatitata pour m'vin prendre, ceci c'est la bagaille. De toute façon, moi voye message là ou t'endil. Ou te l'on met monsieur en France là, ah mais c'est monsieur en France là qui a parlé avec vous là. Jovenel Moïse font paquet de bagailles. Et en plus encore pour finir, ou pas s'entournier sous pas l'Haïti, c'est ou même seulement qui opposition 100% comme ça. Dernière classe auditeur, auditrice, vle pour Haïti, avance vers l'avant. Tout le monde sont seul bagaille, vle pour Haïti, avance vers l'avant. Y. Ou même seulement, ou pas s'entournier, ou pas s'entournier, sans sens, arrêtez de dire bêtises. Arrêtez de dire n'importe quoi. Pour finir, si vous ne voulez pas, c'est lui nous après. Merci beaucoup pour l'Haïti. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Ciao, ciao. Voilà, merci un peu, les amis, pour l'intervention. Et merci un peu. Il est déjà arrivé, il faut que nous allions. Merci tout le monde, c'est ton plaisir de vous dévoter une nouvelle. Ça va nous, et te connecter, nous allons tourner pour l'autre.